Bien, salut tout le monde les amis, c'est Zenix et Thomas. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Euro Truck Simulator 2. Et voilà. Sur Euro Truck Simulator 2, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Voilà. Non, t'aurais pu dire le nombre d'épisodes. Hein? T'aurais Nombre pu. d'épisodes, mais je connais pas ton nombre d'épisodes. Je sais que moi c'est le 45e de la vidéo du Et routier. moi, je le On compte est pas. avec un Volvo pour Thomas et un MAN pour moi. Voilà, c'est merveilleux. C'est la vie, c'est comme ça, écoutez, hein. Voilà. Voilà, je suis avec une peinture, que je dise pas de bêtises, de la Norvège. Oui, DLC. effectivement, je suis avec une Une peinture remorque toute grise. Trekkar Trans. Et toi avec ton camion, Volvo KKTOS et remorque Norfood. Voilà. En fait, c'est. Donc. En fait, si vous voulez savoir, j'ai eu un petit problème dernièrement avec mon ETS. J'ai. Bon PC. En Et du coup, général. j'ai eu un problème avec mon ETS. J'ai plus aucune sauvegarde, donc là. Ok, je Oui. comprends pas pourquoi mes volets se ferment, Juste, il est mais. con qu'il a formaté son PC. Pas du tout. Non. Du tout. Et j'avais plus de sauvegarde, du coup, là, j'en ai recréé une vite fait. C'est le principe du formatage. Et j'ai quatre villes, quatre garages, c'est tout ce que j'ai, voilà. Donc c'est pour ça il va falloir que je roule. Mais comme ce week-end je peux pas rouler, et ben il va falloir que qu'on fasse avec les villes que j'ai. Voilà. Donc là, donc Je te aujourd'hui. rappelle que tu es plus puissant et moins lourd. Et que tu roules sur le trottoir. Non. Donc aujourd'hui on part de Je crois que c'est Karlskrona et on arrive à. Odense, me semble-t-il. Oui, à Odense et on J'ai l'impression que s'arrête. toutes les parties que je fais vont à Odense. Et on s'arrête à Malmö pour que je puisse acheter le garage. Comme c'est sur le comme on passe d'à Malmö à peu près. Hein? Non, je disais qu'on s'arrêtait pour acheter le garage à Malmö comme on passe dans la ville en fait quasiment. Voilà. Bon, ah, c'est On bon, n'a il pas va passer ouvert. encore les DLC accessoires. Accessoires. De quoi tu disais? On n'a pas encore les DLC accessoires qui sont sortis. Moi je l'aurai ben, dès que je reviens, Les c'est-à-dire DLC. lundi je l'ai. Le DLC, pas les DLC. Et mais ça va pas tarder. Voilà. Bon, au plus tard lundi je l'ai. On va dire dans le prochain épisode, quoi. Voilà, oui. Probablement. Voilà, on pourra vous présenter tout ça. Et j'ai vu quelques nouvelles images à l'honneur là dans le jeu, avec le DLC justement. Et ça a l'air, c'est assez sympa la photo que j'ai vue. C'était sur une map mode en plus, avec un peu un esprit un peu américain, sans trop non plus. Hein. C'était très sympa. Donc voilà, et c'était en vue intérieure, je voyais quelques accessoires bien sympas. Voilà. T'es pas bouché? Ah! Quel bouffon, lui. Mais non. Il faisait ça parce qu'il allait trop vite, du coup il fallait qu'il ralentisse. Alors il dit, non, j'ai un frein, j'ai des barrières, bon, on va se contenter des barrières, va. On va économiser les freins. Les plaques étaient Mon chères. Dieu, mais quel nul. Aïe, aïe, aïe. On dirait quand il conduit une pelleteuse, quoi, c'est catastrophique. On se devait que ça passe, toi, cette fois-ci. Il n'aime pas quand il dit qu'il sait pas conduire le pétase. Il y a que la vérité qui blesse. Je te dirai pourquoi après. Ah, ok. Surtout quand il déchenille, alors là. Mais bon. Je te vois plus On a dans mon combien de rétro. bornes? Ça va, je suis. Par contre, toi, tu zigzags, hein. C'est vrai que niveau linéarité de ton et fluidité de ta conduite, nous n'y sommes pas vraiment. Hein. 361 bornes, 5h49, voilà. Pour arriver donc à Odense, si je ne dis point de bêtises, je vérifie ça vite fait. Ouais, c'est ça. Petite C'est là. précision, j'arrête moi aussi de zigzaguer pour le coup. Mais bon, c'est parce que je travaillais moi. La blague. Petite précision, je sais plus ce que je voulais dire. T'as pas Hein, besoin de vous voyez gasoil? là. De quoi? Non, trop tard. J'ai mon casque qui se fait la malle. D'ailleurs, j'ai reçu le G430 de Thomas, n'est-ce pas? Et je ne l'ai pas encore réglé, voilà. Hein, je peux encore. Enfin, je me suis pas encore penché dessus. Donc, voilà. Donc voilà. Pour l'instant, je ne m'en sers pas en vidéo, on verra. On verra, on verra.
On verra bien. On verra. Nanana. Pardon. Surtout que je sais pas du tout quelle musique je chantais. Je sais pas si ça existait. Les parano. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Comme tu dis. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, ouais. Voilà, c'est pas grave. Ah, mais faut que j'arrête de dire ça, c'est pas possible. Donc, comment tu fais là? T'es pied au plancher et tu vas doucement? Ou tu roules doucement parce que je suis derrière? Toujours mon Non, peloton. c'est ce que je suis plus au pied au plancher. D'accord, moi c'est parfait alors. Tant mieux mon cher ami. Tant mieux, tant mieux. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Moi, rien de Ouais. plus. Oui, non, toi tu parles pas tellement. Hein. Non, non. Au niveau des peintures là, des DLC, des 3 DLC, des 3 DLC de peinture de la Scandinavie, voilà. Il n'y a que les peintures comme ça, là, les grands drapeaux de chaque pays qui sont assez sympas, parce que c'est les seuls qui sont métallisés, je crois. Mais qui sont au final les plus jolis. Les autres, bon, c'est classique, c'est comme les DLC Vikings et tout ça qu'on a vu, bon, c'est pas magnifique. Mais il y en a un où on peut personnaliser la couleur de fond pour ceux qui veulent, avec par-dessus le petit drapeau. S'il y en a des sympas, Petit je m'en drapeau. prendrai quelques-uns. Non. Non, non. Voilà. Je n'en ai pas besoin. J'économise pour ton futur ordinateur. Point. Et pour American Truck. Voilà. Ah oui, faut peut-être tourner, effectivement. Et peut-être freiner, tant qu'à faire. Allez, en mode on freine pas trop non plus, hein. En même temps, on freine un peu tout seul là, hein. À la montée. C'est bon, voilà, Salut. c'est bon, je suis tranquille. Je peux parler. Ouais! Voilà, en fait, il avait une muselière. Du coup, il vient de s'en défaire. Du coup, il peut parler. Voilà. Il faut tourner ou pas là? Ouais. Oui, c'est le principe du GPS, tu sais, c'est qu'il faut l'écouter, enfin le suivre, tout simplement. Non, il faut l'écouter, faut pas le regarder. Oui, sauf que là, il n'y a pas trop la voix. Hein. Ici, la voix. C'est quoi un secret story? Que je ne regarde pas, je le précise. Moi Hein. non plus, je le rate pas du tout. Voilà, on est bien d'accord. Mais en même temps, ici, la voix, c'est un peu connu. Voilà. Voilà. Le jeu de mots. C'était merveilleux. Bon, c'est pas grave. Hein, J'ai le garage ici, on n'a pas besoin de s'arrêter. T'as le garage ici, on n'a pas besoin de s'arrêter. C'est quoi comme garage ça? Helsingborg. Donc prochaine ville, hein, Malmo. Prochaine ville. Voilà. Tout simplement. Je croyais qu'il était en train de te chier un virage, mais non, il s'est tiré. C'est. Voilà. Allez. On ne tira rien. C'est bien ça, tu t'es tiré. Oui. Et sans se dormir. Et sans s'endormir. Eh bien mon cher ami, j'ai envie de vous dire, why not un peu d'essence, hein, de... Mais cela dit, non. Voilà. Parce que je vais faire le plein à la ville. Voilà, parce que pour une fois qu'on a des stations essence dans des villes avec ce merveilleux petit DLC, Ça coûte moins autant en cher là. profiter, oh connard. Oh pétard, con, t'as un CD au passage, au bouffon. Du coup j'ai roulé dans l'herbe. Prendre pour un taré, Ah mais lui, c'est que t'es pour loin en mentir. fait. Parce que je me suis arrêté à la station essence, sauf que pour la première fois depuis que je joue à ETS, il y a quelqu'un qui sortait de la station essence à ce moment-là. Du Peut-être que coup, je j'ai dû un t'attendais, non? peu très légèrement lever le pied. Mais ça t'en prend J'ai pas pris la première sortie Malmo. Oh, il est con, lui. Je prends la Préfère. deuxième. Moi, je prends la première parce qu'il y a la station essence. Je prends la seconde moi. Le Et mec qui suite. me suit il va me dire mais il est con lui, il s'arrête à la station essence, il fait pas le plein, il s'arrête ici. Aïe aïe aïe. Il est débilus hein ce petit Zénix. Je confirme. Mais tiens. Ça fera la fessée. Où est-ce que vous avez vu un feu rouge? Regardez, il est vert. Voilà. Hop. En fait, pour que tu comprennes, j'ai tourné la tête vers notre feu qui était vert. Voilà.
pas un gros técon, quoi. Non, au contraire. Je déjoue mes abonnés. Voilà. Donc je fais mon petit plein-plein. Écoute, remplis les caisses. Les cuves plutôt, non? C'est pareil. Non? Non. Les caisses, c'est remplir les caisses, c'est gagner du fric. Je dis ça, je dis rien. Hein. Bon, cela dit, t'as un peu de mal à parler la France. Moi, je parle très bien la France, le France plutôt. Hop. On se rejoint où? À moi, là où je suis. Bien, maître. Au garage de réparation, je vais Et découvrir où? le. D'accord. J'ai pas. J'arrive de ce pas, mon cher ami. Ouais, faut peut-être tourner d'un côté quand même, hein. Quand il n'y a plus rien en face, on tourne, hein. C'est peut-être mieux. Voilà. Ah, j'ai pas fait le bon choix. Ce qui implique... Ah si, j'ai fait le bon choix. Du coup, je grille le feu rouge. Bon, voilà. Je suis pas bête, en fait, tu sais, parce que moins par moins, ça fait plus, étant donné que... Voilà. Donc, cette erreur était corrigée. Ah, je me demandais quand est-ce qu'il allait taper, mais non, il n'a pas tapé. T'as tapé? Non, je... Tu veux pas que je passe un peu devant, comme ça tu me vois et je peux rouler. Enfin, je veux dire, j'ai pas besoin que tu m'attendes de tout le temps parce que ça m'énerve un peu. Non, Perso, le GPS il passait pas là-bas, hein. je Ça dit sais, rien. il passait à gauche. Allez, 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 allez! Voilà. Tu m'as suivi ou t'es passé à gauche? Je suis passé de l'autre côté, moi. Quand on a le swag, on a le swag. Oups. Il fallait tourner. Putain de jeu de mes couilles là, ça m'énerve ça. Mais pour le coup, tu peux m'attendre. Et parce que je sais que je suis un BG, mais quand même. Ma BG-itude a des à ses limites. Ouais. Plaît-il? Bon, hop, je te double. Double écoute. Non, c'est pas une bonne idée. Je sais pourquoi il m'a dit double écoute. J'ai bien compris, petit malin. Merci la barrière. De quoi? Non. Oups, du coup il me fait faire des conneries, mais sans toucher à rien non plus. Par contre, j'ai roulé sur le plot que t'avais fait tomber. Oh, de suite de moi. Ben. Il y a un plot qui est tombé, il y a un couillon dans le secteur. Je pense que c'est pas le Saint-Esprit qui l'a fait tomber, hein. Attends. Ouais, fais la maligne. Voilà, c'est bon. Attends, attends, ralenti, 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 Je suis ralenti, quinzième, ralenti. quoi. Oui, je suis en 10e. Maintenant, je suis 11e. C'est peut-être pas une bonne idée. À part pour ma consommation, elle, ça peut l'intéresser éventuellement. Ralentis! Et arrête de zigzaguer! Je vois juste un carré au loin qui est toi. Et je vois que ça zigzague, que ça roule. Tomaille! Tomaille! Freine, freine, putain, je vois un carré au loin. Possible. Ouh! Alors c'est où le télépéage que je me trompe pas? Ralenti. Rapidi. Ralenti. Il okay. Y a un four. Ouh, pétard. J'étais foiré. Il y avait un truc à gauche, il n'y avait pas les lumières vertes, enfin les icônes vertes. Alors je me suis dit, je peux y passer. Mais non, c'est en travaux. Fouillon. On m'entendrait. Putain. Cela t'es. Sont morts, ils sont dead.
Je leur fais un procès. Je leur fais un procès. Procès, oui, bien sûr. Un procès. Un procycling manager. Déjà, je vois un avion qui s'écrase là derrière. Qui atterrit. Bon, t'es où là, Maurice? Je galère à te rattraper. Et là, tu commences à t'éloigner. Mon dieu, ton âme, il freine, t'es pareil, toi. Je freine? Non, non. Je vais arrêter le feu si ça va freiner. N'est-ce pas? Thomas. Oui. Thomas. Thomas. Oui. Thomas. Freine! Thomas? Oui. Aurais-tu l'extrême obligeance de ralentir? Nein. C'est à 90, on respecte les limitations de vitesse limitées par la vitesse de la limitation des vitesses limitationnatées limitationnellement limitées. T'as besoin de t'arrêter? Parce qu'on s'arrête pas dans ce cas-là. Pause pipi. Je vais faire une pause pipi. Bon, EFG. Merci. Merci, merci. Bon, tu me dis quand t'as fait tes besoins. Hein. Vas-y. Voilà, pause pipi de 30 secondes. Hein, merci. T'es en train de me larguer. Je vais annuler ma mission. C'est pas possible ça. Aïe aïe aïe. Ouais. Mm-hmm. Combien de kilomètres? Sens. Sens, oui, sens, oui. Thomas, mm-hmm. Je te vois plus. Thomas. Eh bien accélère. Oh. Puis au plancher. Je suis à 4. Il a 9 tonnes, j'ai 17 tonnes. Il a 750 chevaux, j'en ai 680. 20, oui, c'est de ça. Oh, je suis à 80 km/h, le mec ne me rattrape pas, quoi. Je suis à 110. Eh ben, je suis à 80. Je suis à 110. Je suis à 110. Il faut aller à droite. C'est un problème dans ce cas. Il faut aller tout à droite, Nyx. D'accord. Ou tout à gauche, comme tu veux, mais il faut... Surtout, ne va pas au milieu. Je vois petit salopio qui zigzague au loin. Moi zigzaguer, jamais de la vie. Oh, des éoliennes. C'est ce que j'ai dit. Oh, ils aiment les ponts ici. Hein. Ouais, ça. Au Japon aussi. Aïe. Niquer les oreilles. Aïe, aïe. Tu penses qu'il se lève tôt au Qatar? Qui se lève tôt? Il se lève tôt au Qatar. Je sais pas. Il se lève tard au Kato. J'ai... Attends. Tu sais que j'ai réfléchi avant de sortir une connerie. Ouais. Et alors, c'était quoi la connerie? Ben, tard, tôt. Tôt tard. Okay. Oui. Et alors? C'était ma blague ça. Mais je sais, blague Zenix quoi. La grosse daube.
Il y a le bateau de Christophe Colomb. Tu conduis un caméra 8, fais gaffe. Ok, et si tu pouvais freiner, ça serait sympa. Parfait. Tu sais du gearing après. Ah mais on est arrivé en fait. Ouais, Sorti à en fait, 1000 km. préciser, je suis arrivé, étant donné que tu... Voilà. Et Même que tu... moi je Voilà. livre à Rotterdam. Rotterdam et Rotterdam. Non? Ok. Ok, c'est bon. Rien. Rien. Oh. Pas dire, hein, mais... Rien. Oh. Rien. C'est pas ici qu'il faut tourner, hein. Thomas! Thomas, 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 Thomas! C'est ok. C'est là qu'il faut tourner. Ça marche jamais. J'ai mis le GPS en même temps. Je sais, mais bon. T'as pas hésité, même pas un petit moment? Allez, merci. Merci, merci. Merci. Pas de problème, je sais. Okay. J'aime pas, tu peux autant me demander que je veux. Ça me gêne absolument pas. Absolument pas. J'ai aucun problème avec ça. Alors aucun, je voudrais pas que tu croies que... Que voilà. Foutain de ma gueule. Mais vraiment. Vraiment. Ça me gênerait profondément. Que tu trouves que je vais trop doucement également, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'accélère. Et que Monsieur Célère, il s'appelle Jacques. J'accélère, ok. Thomas, 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 Thomas. Thomas, c'est pas là qu'il fallait tourner. Très bien. Je suis en train de me dire de plus en plus que cette mission ressemble à une mission que j'ai faite dernièrement. C'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien ça. Dans le dernier épisode, j'ai livré ici. Plus ou moins précisément. Bon, on partait de Linkoping ou de Jean de Coping, mais bon. C'était plus ou moins ça. Oui, de l'incoping. Donc toi, tu sais pas, tu te tais. Tiens, regardez, je vais vous faire comme ça. Non, on n'y voit rien. Donc, on va rester dans le traditionnel. L'étalage de la remorque, insatisfaisant. Ah, oui, c'est vrai. Je me suis pris ta remorque une fois. Maintenant, ils ne te mettent pas 3% de dégâts, ils te mettent 2,8%. Attention, on rentre dans de la précision précise. Effectivement, n'est-ce pas? Alors. Bon. Je te laisse terminer, écoute. Termine. Non, non, je t'en prie, vas-y. Non, non. Non, mais vas-y, je t'en prie. Non, non. Et le rodame. Mais fais-le alors. Vas-y, vas-y, après toi. Franchement, ça fait longtemps. Franchement, Thomas, ça fait longtemps. Bon, t'as vu que je me suis un peu fait mal. Mais ça fait longtemps, vas-y, vas-y. On t'écoute, on t'écoute. On t'écoute, on t'écoute. On t'écoute. Allez. Non, non. Et bonjour. Allez, Thomas. Allez, tu peux le faire.
Thomas, Je où terminerai pas. es-tu? Mon petit chéri, Je sais très bien pourquoi. wouhou, c'est maman. Oui, tout le monde sait. Thomas, rien ne sert de t'échapper, je suis là, c'est moi, monsieur le pète-couille. Thomas. Thomas, 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 Pas là. little Thomas, Thomas. Oh bon, mais si t'es pas là alors. Les amis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Si c'est vous avez des questions, des remarques, Voilà. n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez. Mais n'hésitez pas à dire un gros ta gueule à Thomas. Et sur ce, on vous dit à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye. Ciao.